The world is waiting for the momentous occasion when the historic Notre Dame Cathedral reopens after repairs. In 2018, the centuries-old Gothic-style cathedral was the most visited tourist site in France, with around 13 million visitors per year, or an average of 30,000 visitors per day. However, the pandemic cut short the number of visitors. This was followed by a deadly fire during a restoration campaign in the cathedral's attic on April 15, 2019, forcing the authorities to close it down for restoration. After nearly 5 years and massive repairs, costing an estimated $767 million, the cathedral is going to reopen and hopes are high among the business owners who expect a decent footfall. Donc, ce qui s'est passé, très simple, 2015, les attentats. Après, il y a eu les grèves, il y a eu les gilets jaunes, après, il y a eu Notre-Dame. On pensait qu'on avait tapé le sommet, mais non, après, il y a le Covid. Voilà, il y a tout un tas d'événements qui se sont passés. Et quand on est dans un quartier touristique, soudainement, il n'y a plus de touristes. Et voilà. Many of the businesses in the area depend upon the tourists who come to visit. Some come to see the legendary relics enshrined in the Notre Dame Cathedral. Catholics visit the cathedral to venerate the crown of thorns, which they believe was placed on Jesus' head during his torture and crucifixion. The cathedral also houses a fragment of the wood from Jesus' cross and a nail measuring 9 centimeters believed to have been used on him. The same businesses will heave a sigh of relief as the area will once again become as lively as before. Donc évidemment pour nous c'est très important que voilà de savoir que dans un mois enfin la cathédrale va rouvrir et que le quartier devrait retrouver une animation comme il peut y avoir lorsqu'il y a des fêtes religieuses comme Noël, la Pentecôte et diverses, et puis les messes du dimanche, voilà quoi. Many tourists, however, visit Notre Dame to take a look at its wonderful architecture. The cathedral's foundation stone was laid by Pope Alexander III in 1163, and the high altar was consecrated in 1189. An architectural marvel, the cathedral has stood the test of time. And when its bells finally rang after a 5-year-long silence in early November, hopes were high among businesses and workers. On ne sait pas, on verra bien. Moi, je suis content que ça rouvre parce que c'est triste de voir un monument fermé et qui est passé par tout un tas d'étapes. Après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le travail des gens. Ça, moi j'en ai eu des architectes ici qui sont venus et tout, et le travail qu'ils ont fait c'est magnifique. Et que ça rouvre, tant mieux, voilà. Pour Paris, pour... voilà. Après moi j'attends rien, moi. Un peu spécial par rapport à Notre-Dame. The cathedral's closure, combined with the pandemic, had hurt the businesses located near the Notre-Dame Cathedral. While some businesses that depended heavily on tourist footfall had to close due to reduced revenue, others had to lay off their employees to stay afloat. Eh ben, 5 années de chantier à Notre-Dame, c'est un peu compliqué pour nous, parce qu'évidemment, on a une baisse de fréquentation de 30 à 40% en fonction des périodes. Donc, ce qui dit une baisse, il a fallu qu'au niveau du personnel, on s'organise autrement, qu'on supprime pas mal de postes. Workers like Quentin Blackyears are glad that the cathedral is reopening. This presents the opportunity for waiters like him to work and earn more to cover the losses that they have incurred so far. Je suis super super content. On va travailler 3 fois plus. C'est ce qu'il fallait quoi. Parce que bon, c'est une grande perte hein, pour le patron, pour nous, enfin surtout pour le patron quoi. Hein,
surtout pour, voilà, mais on est vraiment on est prêt, en tout cas on est prêt depuis un bon moment. The Notre Dame Cathedral's restoration was done by some 250 companies and hundreds of experts. The 19th century Gothic spire has now been resurrected with an exact copy of the original. The stained windows have regained their color, the walls shining after fire stains cleaned, and a restored organ ready to thunder out again. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui vont venir du monde entier, qui vont visiter Notre-Dame. J'ai vu des photos, parce que j'ai rencontré un des architectes qui m'a montré les photos de l'intérieur. C'est magnifique et je pense que les gens qui vont rentrer dans Notre-Dame, qui ont déjà visité Notre-Dame, qui vont voir Notre-Dame dans un autre état, ils vont avoir les yeux comme ça. Peut-être que même moi, je vais y aller, si je suis invité par la mairie. Notre-Dame is expected to welcome 14 to 15 million visitors annually after reopening. The opening is not even the end of the mammoth restoration. Part of the lead roofing base still needs to be finished, and the statues of the apostles and saints removed before the fire to allow for their restoration will be reinstalled in the first half of 2025. Businesses and workers hope that as the reopening happens and restoration progresses, they will see the resurrection of their plummeting incomes. Thank you.